aimé par les bisons avait voyagé à travers les nations, mais il n'avait toujours pas trouvé le prophète qui pourrait contredire la terrible prédiction de l'homme blanc. Il chercha la voie qui pourrait le conduire vers le salut de son peuple, mais il ne trouva que les traces de ceux qui étaient passés avant lui pour disparaître dans les ténèbres. Washington. Et avec votre permission, je vais vous le lire. Lorsque cette immense tâche sera terminée, la désunion ne sera qu'un mauvais souvenir et deviendra impossible. Il n'y aura plus aucun pivot sur lequel le levier de la trahison pourra s'appuyer. Jackson, Thomas, arrêtez de bailler aux corneilles et posez cette roue sur les deviers. Il paraît qu'ils vont mettre 10 ans pour finir la ligne de chemin de fer. J'aimerais quand même bien la prendre à jour. Un seul train pour relier l'Atlantique et le Pacifique. Wouhou ! Ils la finiront peut-être, ou peut-être pas. Mais il y a beaucoup d'argent à faire à chien ce que notre famille et sa part. Je veux voir 20 roues sur ce mur avant la tombée de la nuit. Doucement, papa. À t'entendre, on dirait que la voie ferrée est déjà là. Écoute-moi, il faut se tenir prêt. Il me semble être l'avoir appris. Excusez-moi, je m'appelle Clara Wheeler. Et mon père s'appelait Samson Wheeler. On tourne pas le dos à un orphelin de la ville. Elle n'a plus personne. Alors envoyez dans l'Est, c'est là-bas, ça. Et tu penses qu'elle sera en sécurité sur les champs de bataille? Nous n'avons eu aucune nouvelle de Wheelerton ces derniers mois. Il y a plein d'endroits à Saint-Jean, de l'autre côté du fleuve. Ils sont faits pour des gens comme elle. C'est notre devoir de chrétien de prendre soin de cet enfant. On est la seule famille qui lui reste, Daniel. Cette fille n'est même pas l'enfant naturel de Samson. C'est l'enfant trouvé qu'il a recueilli. C'était plus fort que lui, ça. Nous, nous lui devons rien. Et quoi? Maman a raison. Excuse-moi. On ne se détourne pas devant quelqu'un qui appelle au secours. Surtout quand il a souffert. Et si ça avait été l'un de nous? La charité, ça peut se retourner contre vous. Mais si je comprends bien, tu es prêt à porter ce fardeau seul comme tu es prêt à porter garant de cette fille. Oui, je suis prêt. Tu en répondras dans le bien comme dans le mal? Oui, père. Très bien. Clara est notre invitée, Lydie. Il faut apprendre à faire des efforts. Non, je serai très bien par terre. Je suis déjà très heureuse d'avoir un trou au-dessus de ma tête. S'il te plaît. Ma mère a dit que tu pouvais lui prendre des vêtements en attendant qu'elle t'en fasse. Dis-lui de ne pas s'embêter, je sais me servir d'une machine à coudre. D'accord. Qu'est-ce que c'est ? Toi qui as fait ça. Avant, j'avais du temps pour ce genre de choses. Je croyais que le monde était un bel endroit, mais ce n'est pas le cas. Voilà. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis dans ma chambre. Merci beaucoup. Thank you.
fini. C'est fini, Clara. Ça ne doit rien dire. Tout va bien. Voilà. Chut. Qu'est-ce qui lui arrive? Retournez-vous coucher. Elle a fait un cauchemar. En tant que gouverneur de l'État de Californie, je suis fier de vous accueillir pour cette grande célébration de notre industrie. Moi et les ouvriers de la centrale pacifique, nous avons bien avancé ces derniers mois. Je vous affirme que l'on a surpassé nos concurrents de l'Union Pacifique. Bravo ! Bravo ! La grande course a commencé. Nous attendons le jour où l'Atlantique et le Pacifique se rejoindront grâce à des barres de fer qui viendront renforcer notre sentiment patriotique. Ces barres de fer nous feront connaître les joies de la prospérité d'une grande nation. Bon sang, tu imagines, Margaret. On pourra déjeuner à San Francisco, souper à Carson City et aller jusque dans le Mississippi en seulement 3 jours. C'est à peine croyable. Tout change à une vitesse. À cela, je réponds que ce sont les roues du progrès, monsieur. Ce sont les roues du progrès. C'est notre destin. Ces montagnes vont voler en éclats. Que dis-tu, ma chérie? Oh, je me rappelle d'une phrase que ma mère m'a dite avant notre mariage. Son monde m'a toujours semblé très différent du mien. Si un jour je pouvais y aller. Je ne vois aucune raison qui pourrait nous empêcher de le faire. Ethan? Tu es sérieux? Oui, je le suis. C'est ce qu'on s'était promis de faire, non? Prenons la prochaine diligence pour Denver. Oh, c'est vrai! Tu es une femme exquise. Tu es belle comme un diamant. Tu es la femme la plus épatante que j'ai rencontrée. Et pourtant, j'en ai connu une multitude. Oh, Ethan, je t'aime d'amour. Ma fille Margaret et son mari Ethan n'étaient pas les seuls à parcourir le pays. Mon fils, Ab, avait rejoint le rang des sans-travail qui avaient remis leur sort entre les mains de la centrale pacifique, partie de Sacramento pour une longue aventure vers l'Est. Une fois l'aventure terminée, le chemin de fer allait modifier en profondeur la vie de mes enfants. Viens par ici, grand chef. Je m'appelle Abraham. C'est une des tribus perdues d'Israël. Écoute-moi l'Ancien Testament. Notre voie ferrée n'a pas besoin de ce genre d'offrande. Nous, on s'appuie sur notre travail. Alors tu nettoies et t'as pas intérêt à recommencer. C'est à toi de nettoyer. Charognard, je vous enlève une journée de paye. Ça vous calmera. Ça mérite. Et ça vaut aussi pour vous. Allez, dégagez. Monsieur Strawbridge, venez ici. Reprenez le travail, monsieur. Je vous défends d'infliger de mauvais traitements aux ouvriers. On ne peut pas leur parler comme un dit gentleman, monsieur Crocker. Ils sont plus proches de la bête que de l'être humain. L'ennui, c'est que tous ces Irlandais vont se sauver pour chercher de l'or dès qu'ils ont leur pécule. On a commencé l'aventure avec 5000 hommes. Et il en reste 600 aujourd'hui. Il semblerait qu'il y ait une arrivée massive de Chinois du côté de San Francisco. Ils sont réputés pour être de très bons travailleurs. Je refuse de travailler avec des Chinois. Là-bas. C'est une honte. Un scandale. Regardez comment on traite les honnêtes gens, le peuple civilisé. La famille Hung est cruellement assassinée sur ses propres terres. Des terres qui ne sont qu'à 25 km à l'est de notre chère ville. Sacrifiés comme l'agneau pascal par les impies, l'élite des guerriers Cheyenne, les Dog Soldiers. Leurs corps ont été comme celui de Joseph jeté dans un puits. Qui est-ce, monsieur ? Le colonel Shillington, le pasteur combattant. Il a écrasé les manteaux gris à Glorieta Pass, et maintenant c'est les peaux rouges qu'il va écraser ! Chers frères et sœurs du Colorado, notre territoire est sur le point de devenir un État à part entière, mais nous n'obtiendrons rien si l'ordre ne règne pas chez nous. Oui, c'est juste. Et l'ordre ne pourra pas régner
tant que nous laisserons ces sauvages occuper nos arpents de terre. Nous devons tous nous employer à récupérer notre terre. Oui, bon espoir, mes amis. Le gouverneur Evans vient de m'accorder la permission de former un régiment pour notre défense. Bien. Lequel d'entre vous voudrait-il me rejoindre dans cette valeureuse entreprise? Quelle histoire effroyable. Alors, pourquoi tu t'obstines à vouloir la photographier? Je parle de ce que font les Indiens. Excuse-moi, c'est plus complexe que ça. Maigre, c'est cher payé pour une poignée de génisses. À ce qui paraît, le pauvre Ingett était à la recherche de ses brebis égarées quand ils lui sont tombés dessus et qu'ils l'ont bousillé. Si vous vouliez vous taire, ça nous ferait plaisir. Oh, excusez-moi, madame. Mais je vous conseille quand même de tout rendre au colonel Shivington. Parce que quand il veut quelque chose, bah, il l'obtient illico de garnement. J'ai passé une bonne partie de ma vie à renier le sang de ma mère. Ça va aller. Prends le sac, ne t'inquiète pas. Je t'attends. Parle-moi de cette boîte magique.
On appelle ça un appareil photo. Un appareil photographique. Appareil. Un appareil, oui. L'homme blanc n'a pas beaucoup de musique dans ses mots. Vous parlez très bien notre langue. Beaucoup d'hommes blancs sont venus. Ils ont rempli notre terre de sons étranges. Je n'aime pas leur langage. Leurs mots n'ont pas de sens. Marcher sur la route de l'homme blanc comme tu as fait, c'est difficile. L'esprit de toi ne sait pas où se reposer. Il m'arrive parfois de... Je sens comme un trou dans mon cœur. Les blancs sont des sauterelles. Ils volent par milliers, et alors tout le ciel devient comme une tempête de neige. Nous sommes un troupeau de bisons égarés. Les blancs seront encore plus nombreux. Ils sont en train de construire une voie ferrée. Elle pourra bientôt les transporter d'un océan à l'autre. Elle dit que je suis moins laid dans ta boîte magique. Quand le Père Blanc a dit à ceux qui voulaient la paix de mettre nos tipis ici, on a obéi. Mais cette terre ne vaut rien pour nous. Nos garçons ne peuvent pas devenir des hommes sans les bisons. Ils cherchent la guerre pour faire leurs preuves. À Denver, on a vu toute une famille qui a été tuée d'une manière monstrueuse. Certains disent que c'est votre tribu qui a fait ça. Certains mentent. Il y a des mauvais blancs, il y a de mauvais indiens, de mauvais hommes dans les deux camps. C'est la faute de ces mauvais hommes. Et moi, je veux que ce massacre finisse. Tu vas m'aider. Comprends ce que l'homme blanc a dans la tête. Ici, dans ces ombres, j'ai vu ton cœur. Tu vas apporter mon message de paix au chef de grande taille qui vit dans le fort. En avant ! Marche ! Major, vous feriez bien de venir voir. Reposez ! Arme ! Opé !
Mince alors. Black Kittle souhaiterait vous rencontrer. Je peux témoigner de son bon comportement. Notre peuple avons voyagé sous un nuage. Le ciel est sombre depuis que la guerre est venue. Nous voulons un bon endroit pour notre peuple. Je veux que tous les chefs des soldats comprennent que nous sommes pour la paix. Nous ne voulons pas être pris comme des ennemis. Le gouverneur Evans et le colonel Shivington ont entendu vos paroles. Le gouverneur, père de tous les hommes blancs de ce territoire, va maintenant vous parler. On ne peut pas vivre ensemble sur cette terre. La guerre entre les Blancs sera bientôt terminée. Le père de tous les Blancs n'est pas derrière chacun de ses soldats, il les envoie simplement contre les Indiens. Votre peuple doit à présent faire la paix avec nous. J'ai fait mon possible pour calmer les jeunes fougueux, mais ils ne veulent pas écouter. Avec leur rébellion, ils aident nos ennemis, ces traîtres de Montaugris qui aujourd'hui nous font la guerre. Non. Non, ce n'est pas notre guerre, c'est la guerre entre Blancs. Tous les Cheyennes, écoute ce que vous dites. Antilope Blanche est fière de voir tous les grands chefs blancs de cette région. Je suis allé à Washington et j'ai reçu une médaille. Pour moi, aujourd'hui, tous les hommes blancs sont des frères. La paix que vous signerez est à faire avec les soldats, pas avec moi. Je ne suis pas un grand chef de guerre, mais dans le pays que vous voyez, tous les soldats sont sous mon commandement. Ma stratégie est la suivante. Qu'il s'agisse des manteaux gris du sud ou des Indiens, je mène le combat jusqu'à ce qu'ils déposent leurs armes et qu'ils se soumettent à l'autorité militaire. Quand vous serez prêt à le faire, le Major Wincoop... Major Wincoop, à Fort Lyon, veillera à tous vos besoins. S'il vous plaît, si vous voulez regarder par ici, let Jet care. Elle est des leurs, ce n'est pas une prisonnière. Black Kittle, c'est un honneur pour moi de vous offrir le drapeau des États-Unis. Attention, ne bougez plus. Sauf votre respect, messieurs, les Cheyennes ne veulent pas la guerre. Je pense vraiment que leur parole est sincère. Dites-moi ce que je dois faire, alors, de ce troisième régiment de volontaires si nous devons faire la paix. Ils ont été spécialement formés pour tuer des Indiens. Alors, ce régiment doit tuer des Indiens.
chef de grande taille a dit que tant que ce drapeau sera avec nous, les soldats ne feront aucun mal. Éclat du soleil avait remonté le moral de notre peuple grâce à la magie de la boîte à ombre de l'homme blanc. Maintenant, Black Kittle demandait au jeune fougueux qui était resté en retrait de partir à la recherche du bison. Donne à manger. Je veux que ces hommes puissent se reposer. Ce soir, nous attaquons l'ennemi à Sand Creek. Mais je n'ai eu vent d'aucune provocation, colonel. Ne savez-vous pas que la nation Cheyenne s'est rendue coupable de vols, d'incendies criminels, d'assassinats, de viols et d'ignobles tortures? Sans pitié pour les femmes et les enfants, il est juste et honorable de nous servir des moyens que Dieu nous a donnés pour mettre fin à ces atrocités. Y compris le meurtre, colonel? Où est le sergent Hodd? Mon colonel! Positionnez un détachement autour du poste. Tout soldat qui sortira du fort sera exécuté. Ai-je été clair? Oui, mon colonel. Que le diable emporte les partisans des Indiens. On avance! Allez! Quand tu vas partir? Demain. Tu nous as apporté du bonheur, mais tu dois retourner parmi les tiens. Maintenant, les Blancs vont enfin voir les Cheyennes tels qu'ils sont. Ils comprendront que votre peuple est pacifique. Je vais garder cette ombre. Pour ma femme. Je vous la laisse. C'est un bon remède. Mon mari et moi ne vous remercierons jamais assez pour votre gentillesse. Va en paix, ma fille. J'aimerais qu'un jour ton cœur se comble à nouveau de bonheur. Je vous remercie. Le sable regorge de leur sang. Je ne veux pas de prisonniers. C'est bien, c'est bon. Tuez-les tous. Scalpez-les tous. Allez, on va les écraser sur vous. Allez,
côté de l'autre. Dépêche-toi, va vite, ma chérie. Les soldats devraient s'arrêter. De désespoir et de honte. C'est vous, mon peuple, aujourd'hui. Vous avez vu comment ces sauvages traitent leurs prisonniers, Major ? Soyez donné de cette terre, colonel. Vous vouliez la guerre, vous l'avez. Deux rails toutes les 30 secondes, un de chaque côté. Quatre rails à la minute. Trois coups de masse par crampon, 10 crampons par rail. 400 rails pour 1,5 km. 1280 km jusqu'à San Francisco. Ils ont soulevé leur masse 21 millions de fois. Et écoutez ce bruit. C'est de l'argent. Beaucoup d'argent. Il faudra sûrement pas longtemps pour que toutes les villes aient vent de ce vaste chantier. Les hommes privés de leur distraction deviennent souvent incontrôlables. Ils ne peuvent plus aller en ville. Alors c'est la ville qui doit venir à eux, vous me comprenez? Vous me comprenez, les garçons? Moi, je trouve qu'ils sont pas tant que ça. Aujourd'hui, non, mais... Demain, il y en aura des milliers, demain ou d'ailleurs, qui seront à Northplatte. Une fois l'hiver venu, ces hommes n'auront rien à faire.
C'est ici, sur cette terre, que nous allons établir notre petite affaire. Notre petit empire. Excellent travail. Emmenez-moi avec vous. Les femmes n'ont pas le droit de venir. Il n'y a que mon père, Jackson et moi qui partons. Thomas va s'occuper de notre affaire ici. Oui, Lily, vous veillerez sur maman. Je peux travailler aussi dur que tes frères. Plus dur, j'espère. Alors je peux venir. Tu connais mon père. Tu n'es pas comme lui. Tu es gentil, toi. Note deux sergents. Il devrait y en avoir trois. Mon père est comme il est. C'est inutile de vouloir le changer. Les parents sont comme ça, tu sais ce que c'est. Non, moi on me les a pris. Ici, on peut arriver à se construire une vie. C'est pas vrai, nous n'avons pas tous ce choix. Je pense que nous avons tous le choix. Quand les premiers Wheelers sont arrivés ici, c'était un territoire sauvage. Le cousin Jacob, ça a été le premier à venir. T'as dû entendre parler de lui. Ils ont réussi à apprivoiser la région. Je pense que la voie ferrée va apprivoiser le reste. Quand ils auront terminé, l'Ouest ne sera plus qu'un souvenir. J'ai juste envie de le voir avant qu'il disparaisse, c'est tout. Laisse-moi venir avec toi. Vous êtes tout ce qu'il me reste. Vous êtes ma seule famille. Il y a de grandes chances que mon père fasse une attaque. Alors tu vas m'aider? Je ne peux rien promettre. Je vais prendre deux maillets. Mmh. Étoile du chien avait cru que les hommes blancs quitteraient sa terre un jour. Maintenant, avec son petit-fils Oiseau Blanc et son fils Ours qui dort, il les voyait se répandre comme le feu de la prairie, attisé par le vent. Ils étaient nombreux à piétiner la terre sacrée, l'endroit du monde d'où partaient les quatre directions. Nombreux à chercher la pierre jaune qui les rendait fous. Étoile du Chien avait appris de quelle manière les grands couteaux avaient répondu à la promesse de paix de Black Kettle. Il craignait à présent que le même destin s'abatte sur son peuple. Certains guerriers promirent de chasser de notre terre sacrée jusqu'au dernier homme blanc. Le plus courageux des chefs envoya ses messagers à travers la nation. Renard Rapide, le frère d'Étoile du Chien, répondit à l'appel du combat et il invita le grand guerrier à venir parler au village. Il s'appelait Mar Pialuta, Nuage Rouge. Ma croce qui l'air. Droito que a hockey na upihu. Kie. Ma croce mitrawa akan. Droito kumpiki. Hena wa chinchnina wa lashnielo. Mako pashpe jik ala wa gluhacha. Wa shichuki opta maza chanku garapi wa chinchnielo. Dohaya ni wa onki. Ma croce qui l'est, waglo, haktelo. Et tu snir là. Nuage Rouge avait parlé. Corbeau Blanc, son fils Lance Rouge et beaucoup d'autres jeunes guerriers voulaient maintenant le suivre pour protéger leur terre. Ours qui dort et Oiseau Blanc souhaitaient le combat. Mais Étoile du Chien avait déjà perdu un fils à cause de l'homme blanc. Il ne voulait pas en sacrifier un autre. Céleste, tu parles. Ils sont pires que des sauvages. Ils comprennent rien. Tu sais pas construire les chemins de fer. Ils ont construit la muraille de Chine, non? Allez, on s'active, les gaillards, allez! Y a un problème? On raconte que toi, un Indien. Ouais, et alors?
n'ont jamais vu d'Indiens. Ouvriers ont peur que toi les manges. Et ouais, c'est vrai, ça, je n'ai pas encore mangé. J'aimerais bien goûter un céleste un jour. Abraham Wheeler. Xiaoping. Quelle malchance t'amène ici, Xiaoping. Moi, avant ici, Gam Sam, dans Montagne d'Or. Mais Fang Guai, pas content. L'or, pas pour les Chinois, il a dit. Fang Guai? C'est fantôme blanc, démon. Fang Guai, juge, parle. Dis ce que nous faire. Nous, appeler les coulis. Les Chinois, comme les Indiens. Fang Guai frappe, vole, triche. Les méchants bien droit du travers. Cassez-vous le tour et avancez. La pente est de 75 degrés. Il faut remonter sur la paroi et creuser un passage de 4 km de long à travers cette maudite roche. Comment comptez-vous y parvenir, monsieur Strawbridge? Si seulement je le savais, on y est. Allez, du nerf! Le méchant chef qui a un œil pense que la route, c'est pas possible. Lui utilise des mots très vilains, mais la route, c'est possible. Ah ouais, comment? Doucement, doucement. S'il doit y avoir une chose pour laquelle les Chinois sont supérieurs, c'est la poudre à canon. L'effort des Blancs se répandait comme des taches sur la terre de nos ancêtres. Corbeaux blancs et lances rouges avaient rejoint les guerriers de nuages rouges. Ils allaient se battre pour effacer toute empreinte de l'homme blanc. Ce serait une autre guerre, différente des précédentes. Une guerre d'observation et d'attente. Laurence Coqui, et oui, job l'outre. Witcha Renaye, a wakran la pelo. Na itra chan viki, a chanse, wakran la pelo. Ta wachint at a Witcha Rachelo. Pana Witcha Muntampi Hantash, a kichi taki wa tok supiki, na Witcha chiji piktalo. Baha, a kotaha, a Witcha unkepiktalo. Tioshpaye, yohila etanha. Koshkala kanum igluita pi na milahanska ki osmoka ki lel awicha upitelo. Hemo wajiwa chielo. Michinchi o toka hea toka wanchi eka tra chielo. Trashunka witgo ani apitelo. Ani atu wa khe mayamu nehe. Sunko wa kaa umato khe ya ewa chiu.
Nishayan, Kihaniki, Muni Chakdolo. Wachapaha, Wanda, Wachapala. Leoxila, Wunicho, Hechashnilo. Washichu, Wichayakte, Yachin Huntash. Episay, Wilok Chunkte, Hechayolo. Nachnishni, Ayapkate, Hechayolo. Je m'occupe du sommet de sa peau. Entendu ? Bien vite, mon chéri ! Capitaine ! Le train d'approvisionnement a été attaqué ! Je dois y aller. Capitaine, vous allez là-bas en renfort, vous délivrez le train et vous venez au rapport. Attention, sous aucun prétexte, vous devez poursuivre ou défier les Indiens au-delà de Lodge Trail Ridge. Est-ce que vous m'avez bien compris ? Oui, colonel, aucune poursuite au-delà de Lodge Trail Ridge. À vos ordres, colonel Carrington ! En avant ! Je vous souhaite bonne chance, capitaine. Ils sont postés sur la crête de Lodge 12 Ridge, mon capitaine. Ils jouent à quoi ? On va jamais sortir de cette montagne. Ça va faire un an qu'on y est.
Fongwai a dit bouger la montagne. Mais la montagne ne veut pas du tout bouger. L'homme blanc et sa logique, n'essaie pas de la comprendre. Il viendrait cingler. T'as encore de la famille là-bas, dans ton pays? J'ai une femme à moi, dans le village de moi. Un jour, quand je finis ici, je lui dis, tu viens maintenant. Je lui donne robe en soie et nous allons vivre à Taïfao. Taïfao? San Francisco, c'est ça? Tu apprends bien le chinois. Je l'ai lu sur ton manuel de vocabulaire. Je sais même quelques lettres de ton alphabet. Tu as un village? Les Américains, comment dire, ils se fixent pas. Dès qu'ils arrivent quelque part, ils repartent pour un endroit différent. J'étais cavalier pour le Pony Express, jusqu'à ce qu'il fasse faillite. Je me suis jamais senti aussi libre que sur le double cheval. J'ai vu du pays, puis ce temps-là. Pourquoi toi, tu restes? J'ai jamais fait partie d'une aventure comme celle-ci. D'un projet si important. J'espère que j'arriverai au bout, pour une fois. Ou peut-être que je suis un pot rouge sans cervelle, comme ils disent. Attention, attention! Il faut retourner. Autrefois, North Platte était une vaste prairie à 480 km d'Omaha. Quelques hommes ambitieux, comme Daniel Wheeler, avaient transformé cette étendue désertique en une ville en plein essor. Des prédateurs carnivores avaient suivi la progression du chemin de fer et dévoraient encore plus vite que des sauterelles la paye hebdomadaire des ouvriers. Jackson! Jackson! J'arrive, papa! Non, non. Ça marche bien par ici. On a vécu l'enfer, fallait voir le pays quand il était pas civilisé. Je ne vous cacherai pas, mon cher Wheeler, que l'Union Pacifique voit d'un très mauvais œil votre repère de débauche et considère cela comme un affront. Essayez de faire fermer mon saloon, Kazman. Vous aurez une mutinerie à gérer. Vous seriez bien avisé de nous voir à présent comme de vrais partenaires. Vous vous êtes approprié la terre de la voie ferrée pour établir des commerces illicites et l'avez revendu 5 fois sa valeur à d'autres spéculateurs. Ne me jetez pas la pierre si les ventripotents de l'Union Pacifique n'ont pas vu le potentiel de leur jouet. Vous n'avez pas la prétention de me dire ce qui est bon pour notre voie ferrée. Non. Votre monnaie. Supérieur là-bas dans l'Est n'ont pas besoin de leçons. Et ça vient s'y prendre, avec les subventions du gouvernement. $16,000 pour 1,5 km de voie sur terrain plat. $32,000 pour des contreforts. Et 64 000 toujours pour 1,5 km dans les montagnes. Dites-moi, combien de fausses montagnes l'Union Pacifique a-t-elle gravi jusqu'ici? Alors vous êtes le roi des opportunistes. Bienvenue à North Platte, monsieur. Le salon King of the Plain vous attend. D'accord, je viendrai. Les meilleures tables, les meilleurs spiritueux, les plus belles filles de la région. Allons-y, allons-y. Il y aura de la place pour tout le monde. Donnez-nous aujourd'hui nos visiteurs quotidiens. Va me chercher un crayon. Ça va? Ah, ton pantalon est prêt. Ah. C'est comme s'il était neuf. Tu me dois 5 cents. Ah oui, pardon. Celui que tu portes est trop usé. Si tu veux, je peux te faire un pantalon neuf. Oui, tu ferais ça? Oui. Ce serait bien. Je vais prendre tes mesures. Allez, monte là-dessus. Tends les bras comme ceci. Tu vois que les affaires marchent bien? Si j'économise beaucoup d'argent, je pourrais ouvrir ma propre boutique et je paierai plus de loyer à ton père. Tu mérites les plus belles choses, Clara. Moi aussi. Robert! À bientôt. On a besoin de toi à l'atelier.
je veux plus te voir traîner sans rien faire, surtout avec cette fille. Je te signale que cette fille a un prénom. C'est Clara. Il serait peut-être temps que t'arrives à le dire. Appuie sur le vent. Ne troubleront plus votre établissement, mon brave. Et pour mon argent, colonel, allez-vous payer les dettes de ces hommes? Dépêche-toi, allez! Bonne journée. Être soldat dans l'Ouest n'était pas une mince affaire. La vie était dure. Certains désertaient, d'autres prenaient de mauvaises habitudes. Avant que le lieutenant-colonel Custer s'occupe de dompter les Indiens, il devait d'abord dompter ses propres troupes. Mon fils, Jacob Junior, n'approuvait pas les nouvelles méthodes de l'armée, mais il pensait encore que ses compétences pouvaient être employées pour préserver la paix à la frontière. Quand Custer prit le commandement du 7e régiment de cavalerie, Jacob sut que ses missions de reconnaissance allaient vite se transformer en assaut meurtrier. Je ne crois pas que cette démonstration va remonter le moral des troupes. Le moral de mes hommes s'améliorera lorsqu'ils auront des Indiens à combattre. Et pour ça, messieurs, je m'en remets à vos bons offices, mais il semblerait que vous ne soyez pas très efficaces. De savoir que les Indiens, quand ils ne veulent pas être vus, on n'y voit pas. J'ai envie de vous proposer une autre explication, monsieur Wheeler. Étant vous-même de s'en mêler, vous ne vous êtes peut-être pas investi dans votre travail avec l'ardeur qui convient. Le 7e régiment de cavalerie a reçu l'ordre de nettoyer tous les sauvages, des plaines de l'Arkansas à plate. Toute dépravation sur les terres nouvellement ouvertes par le chemin de fer doit cesser. Vous m'obligeriez en accomplissant votre tâche dans les plus brefs délais. Me suis-je bien fait comprendre? Je le crains, colonel. La discussion est close, rompez. Merci, soldat, ça suffit maintenant. Poussez-vous, mademoiselle. L'Est est devant moi. Cap sur l'Est pour la victoire. Éclat du soleil avait suivi la tribu de Black Kittle dans ses éternels déplacements. Elle vivait désormais comme sa mère avait vécu. Quand le long couteau, chef Sherman, parla avec les mots de l'amitié, elle l'écouta. Mais elle ne croyait plus en aucun homme blanc. C'était l'homme blanc qui avait tué son mari. Le cheval de fer traverse aujourd'hui les terres de l'Arkansas jusqu'à la rivière Platte. Il existe encore une terre au sud de l'Arkansas. Avant qu'elle ne soit prise, nous voudrions vous la donner en partie pour y vivre. Sur cette terre, nous construirons un entrepôt pour la marchandise que nous vous enverrons. Vous aurez également un médecin à disposition. Il vivra avec vous et soignera vos malades. Nous vous enverrons un fermier pour vous apprendre à cultiver le blé. Et vous aurez un moulin qui vous procurera de la farine. Pour tout cela, vous recevrez une allocation de 20 000 dollars chaque 12 lunes. Cette somme sera dépensée par le Père Blanc, qui agira pour votre compte. Non, c'est un... Il demande pourquoi vous êtes venu. Parce que Nuage Rouge a tué beaucoup de tuniques bleues. Ce n'est plus le temps de parler, c'est le temps de la guerre.
Et je répète qu'à partir de ce jour, tout combat entre les parties qui signeront ce traité devra cesser définitivement. La guerre n'aboutirait qu'à la disparition totale des Indiens, car ils sont beaucoup moins nombreux que les Tuniques Bleues. Nous avons préparé les papiers pour la paix. Aussi, nous voudrions vous demander de réfléchir et de nous retrouver quand les ombres seront grandes pour signer ces papiers. Enlevez-moi tout ça! Leur envoyer la fille, Omar. Place avec ta mère et ta soeur. Je te laisserai pas faire ça. Tu ne laisseras pas faire? Tu peux me répéter ça? Elle t'a bien eu avec ces minauderies, la petite fille. Non, tu te trompes. Si, je te dis. Si tu veux évacuer cette envie pressante qu'ont les hommes de ton âge, je conseille de venir le faire dans nos établissements. Oh, une fille qui pourrait t'enseigner toutes les saloperies. Je t'ai dit d'arrêter, tu entends? Merde! Tu vas te taire! Lâche-moi, j'en ai assez! Arrête, t'arrête! T'arrête. Laisse-le! Je veux bien passer sur l'incident pour l'instant. Ne m'oblige pas à choisir. Rien de mieux à faire. Je voulais pas te faire peur. C'est rien. C'est à cause de moi. Ce qui est arrivé entre toi et ton père tout à l'heure, n'est-ce pas? Il n'y a pas que la nation qui est en train de changer. Il y a son peuple. Moi. Non. Tu fais partie des meilleurs anges. Les meilleurs anges. Les meilleurs anges de notre nature. C'est ce que le président Lincoln disait. Oh, le bouclier est tombé à la renverse. C'est à moi. C'est affreux. Comment un pays si beau peut-il rendre les hommes si cruels? Les villes poussaient comme des champignons. Julesberg, Sydney, Potter, Kimball, Archer. À chaque halte, l'empire que Daniel Wheeler avait bâti pour sa famille s'étendait un peu plus. Puis vint Cheyenne, la ville magique des Grandes Plaines, à mi-chemin entre Omaha et les côtes de la Californie. Les Wheeler étaient devenus des hommes riches.
Mais en route, Robert avait perdu le plus important à ses yeux. Et il entendait bien le récupérer. Au revoir et bonne journée. Je vous remercie. Ah, je vous en prie, madame. Allez-y. Bonjour, Robert. Tu permets ? C'est une jolie robe que tu as là. On sent que ça a été fait avec délicatesse. Avec délicatesse ? Ce serait un compliment. Non. Enfin, si. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est agréable de voir un peu de raffinement dans le monde d'aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Merci. Tu as réussi à mener à bien ton projet. Je suis fier de toi. J'ai quelque chose à te montrer. Futilité, je sais. Non, du tout. Au contraire, c'est... C'est superbe. J'aurais jamais pensé reprendre le dessin. Quand j'étais petite, j'avais beaucoup d'ambition. Je rêvais de posséder une très grande boutique dans une belle ville comme New York ou San Francisco. Je m'imaginais voyageant dans les grandes capitales d'Europe et... Oui, j'avais le temps de rêver à cette époque. Il ne faut jamais arrêter de rêver. Pardon, je suis un peu trop entreprenant. Non, tu ne l'es pas assez, Robert Wheeler. Donovan ! Même un gros lièvre aurait besoin d'une gamelle et d'eau pour traverser ce désert. Je me demande si je préférais pas les rocheuses. Foutre Dieu, arrêtez de faire la parlotte ici en besogne ! À chaque kilomètre qu'on fait, la foutue Union Pacifique, on fait quatre ! Travaillez comme si le paradis était devant vous et l'enfer derrière vous ! On n'est pas dans un salon, Donovan ! À vrai de vous le dire, monsieur Strongbridge, si vous les faites trimer de cette façon, vous n'aurez plus aucun ouvrier. La chaleur les tue. Faites creuser ces satanés chinois. Si vous ne leur faites pas reprendre le travail, Donovan, vous et les autres chefs d'équipe allez les remplacer sur le champ. Je ne pourrais jamais faire ça, monsieur. Mais si, c'est une question de volonté. Avec tout le respect que je vous dois, nous finirons cette voie ferrée ensemble. Nous ne la finirons pas du tout. Une journée pour se reposer. On reprendra demain, aux premières lueurs du jour. Bien, monsieur. Je croyais que vous n'aviez pas besoin des Chinois. J'ai encore moins besoin de petit chef. Après 2 ans de combat, les Longs Couteaux abandonnèrent leur fort et signèrent un traité qui restituait les terres sacrées aux Lakota. Nuage Rouge avait réussi là où les autres hommes, blancs ou indiens, avaient échoué. Les jeunes guerriers sortaient renforcés de cette victoire. Beaucoup de ceux qui étaient partis vivre dans les réserves retournèrent sur leurs terres de chasse. Mais ils y trouvèrent davantage d'hommes blancs. Le cercle de la violence se reformait. Le châtiment tomba sur ceux qui ne cherchaient pas la guerre. Regardez, monsieur Wheeler. Le signe de la victoire. C'est providentiel, colonel. Excellent travail de reconnaissance. Je vous fais signe si j'ai besoin de vous. Le Gary Owen, s'il vous plaît, caporal. Ah!
sauve les femmes. Occupe-toi des femmes et des enfants. Nous vivons un cauchemar. Bientôt, je te reverrai. Regarde, George. Leur femme possède une férocité en elle qu'on ne retrouve pas chez le sexe faible de notre race. Celles qui n'ont pas été trop abîmées par leur comportement de sauvage pourront certainement apprendre quelques manières. Et comment tu t'appelles ? Elle répond au nom de Margaret. Margaret. C'est un nom charmant. Ravie de t'avoir rencontrée, Margaret. Par ce portail. J'ai préparé un cheval pour toi. Tu m'entends? Tu le prends et tu t'en vas loin des Blancs. Non, j'y vais pas. Si, il faut y aller. Ramène-moi. Les Indiens ne sont pas ton peuple. Tu n'es pas une Indienne. Ces gens, ce sont mes sœurs. Et mes mères aussi, et mes enfants, et mes frères. Et je ne les abandonnerai pas. Mais tu n'es pas raisonnable, Margaret. Qu'est-ce que je vais dire à papa et maman si je n'arrive pas à te sortir d'ici? Tu leur diras que leur fille Margaret est morte à Sand Creek et que Yo-Yam-Yaoui, éclat du soleil, vivait avec les Indiens et avait l'espoir que les Blancs tiendraient parole à Wakita. Tu leur diras que le trou que j'ai dans mon cœur est maintenant rempli d'une grande douleur. Tu leur diras que c'est fini, que je ne pourrai plus retourner en arrière. N'oublie pas de leur dire que je les aime.
faire ça pour moi, Jacob. Dis-leur toutes ces choses. Rejoindre à Promontory Summit, dans l'Utah, le pays des Mormons. Me raconte que Frère Brigham apprécie la valeur du dollar des gentils. Ils ont enlevé le dernier crampon, c'est là que les affaires vont commencer. Pour mettre à profit ce nouveau moyen de transport. Mais les contrats vont pleuvoir. C'est ça. Je peux pas continuer. J'avais bon espoir que tu prennes enfin en main les affaires de la famille. Ce n'est pas plus mon devoir que le tien d'honorer et de servir l'entreprise familiale. Tu peux compter sur moi jusqu'à la jonction de la voie ferrée, parce que je te le dois. Mais après, je m'installe à mon compte. Tu n'as aucune aptitude pour monter un commerce. Cette fille a le sens des affaires que tu as toujours rêvé d'avoir. Sous-estimé, je le reconnais. Clara, père. Dis-le, je te prie. Clara. Clara. Oui. Fabriquer de beaux vêtements, c'est un commerce. Mais profiter de la faiblesse des gens, ça s'appelle pas un commerce. Une nouvelle époque exige de nouvelles méthodes. C'est ce qu'on appelle le progrès. Exact. J'ai pas envie d'y prendre part. Tu peux réfléchir à ton avenir, mon garçon. Crampons, ça fait quand même quelque chose. Tu parles. C'est une sacrée aventure. Serre-moi une petite lampée, ça devra peut-être venir. Mon Dieu, ça ira mieux après ça. Union Pacific. En retard, comme toujours. Ça y est, il est là. Mon fils rebelle, ce matin de mai fut un triomphe sans pareil. Un ruban de fer s'étirait désormais sur 2900 km, du Mississippi à l'océan Pacifique. Une fois que les derniers rails seraient posés, l'Amérique changerait à jamais. Le dernier crampon ! Certains hommes se figuraient qu'ils représentaient l'avenir de cette nouvelle Amérique. Mais ce sont des hommes et des femmes comme Robert et Clara qui allaient incarner le véritable esprit de la nation. Leur courage et leur détermination allaient être mis à rude épreuve dans les années à venir. Maintenant, Seigneur, puissiez-vous bénir cette route majestueuse et ceux qui l'emprunteront. Que leurs affaires soient florissantes et prospères. Amen. 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 Chers compatriotes, il y a seulement quelques mois, le lieu où nous sommes réunis n'était rien d'autre qu'une piste empruntée par les Indiens. Aujourd'hui, des milliers de roues vont supporter sur leurs essieux les richesses de la moitié du monde, tirées par le cheval d'acier qui assombrira le paysage de son haleine enfumée et fera sursauter les Indiens sauvages de son cri déchirant. Nous sommes un peuple formidable et nous pouvons accomplir de grandes choses! On y va! Ah,
maudit, grand Dieu! Tiens, pour prouver qu'on y était. Ça, ils ne pourront jamais nous prendre. Bonne chance à toi, Florent. Fais attention, Van Guy. On ne leur échappe pas. Ils sont partout.